industriel. Les poules sont cordées dans ça de l'âge d'une cage, puis il y en a 3, 4, 5, puis ils pondent. L'œuf, il tombe là, il est ramassé sur un petit pont. Il n'y a pas de poussin là-dedans, dans ces œufs-là. Non, parce qu'ils ne sont pas en contact avec le coq. Mais c'est ça? C'est normal. Ils ne peuvent pas les féconder, ils sont pas fécondés. Comment tu mettras l'œuf dans un... je ne veux pas l'enfer pour faire des poussins, là. OK. Un incubateur. Il n'y aura jamais de poussin là-dedans. De toute façon, tu vois, un qui est fécondé, il y a une petite tache de roux, une petite tache de sang. Et pourquoi? Ben parce que le coq l'a baisé. Parce qu'il a commencé. Ben oui. Mais le but du coq, là, c'est de stimuler la poule aussi à produire de quoi. Okay. Je ne sais pas si c'est juste des femelles du sol. Moi, je pense qu'oui. Ils en font pareil. Moi, je pense que oui. Oui. Mais oui, parce que même si tu as souvent, il y en a qui ont des tourterelles chez eux, comme aussi de compagnie, ils sont seuls, ils pondent constamment. Ouais. Ils vont pondre des œufs vides. Ouais. Ils pondent pareil, c'est normal. Le coq n'est pas essentiel là, pour l'œuf, d'après moi. Là. OK. Il était essentiel pour le poussin. Un oiseau, ça n'a pas de pénis. Oui, pour faire des bébés. Ça n'a pas de pénis, un oiseau, sauf les canards. C'est juste... C'est un organe interne. Eux autres, ils ont un cloaque, là, tout sort là, l'urine, les excréments, puis le sperme. Ça gonfle pendant la saison de reproduction, assez que, comme les canaux déférents, ils sortent un peu quasiment du cloaque. Puis ils vont juste coller ça sur celui de la femelle, ça rentre là, ça trouve son chemin. Ça sent les preuves, ça sent les preuves. Ah ouais. 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 Mais les canards peuvent avoir des longs pénis, là. Des fois, là, ils s'envolent, puis ça flacote quasiment. Ah ouais, non, toi. Ouais, ouais. Ah ouais. C'est fou, genre, la quantité d'informations qu'on va avoir en sortant d'ici. Toi, tu me capotes. Je pense que je vais avoir de la misère. Non, mais non, les premiers jours de... De plus de n'avoir. J'ai trouvé ça plate, d'écouter la TV, mettons, parce que c'est bien... J'apprends bien plus là. Tu vas faire un tour à Gatineau, mais tout seul, je suis en retraite, je pense. OK, parfait. Ma blonde tout en Moi, je t'invèterais beaucoup d'argent là-dessus. Moi, il n'y a jamais personne qui est capable de me répondre. Okay. Je vous promets que... Puis la seule personne qui m'a répondu à cette question-là, parce que tout le monde dit « Ah, c'est bon ». La seule personne qui m'a répondu, elle m'a dit ça. Non. Mais des fois, il y en a qui émettent des hypothèses, qui présentent ça comme si c'était un fait. J'ose au squash. Oui, non, mais... C'est la seule personne qui a dit quelque chose au moins. Parce que tu lui demandes, là, t'as vu si c'est une balle, je pète ma coche. Ça, c'est chez les poissons. Dis les balles! La femelle, elle met ses œufs, là. Oui, puis les poissons, ils mettent son sperme de l'œuf. Mais les ennemis, là! Je pense pas que c'est toi-même. T'es une sado. Ouais, mais là, tu veux dire. T'es sado. T'es sado. Ah, c'est ça, on l'a trouvé. T'es sado. T'es sado. Oui, oui. Ça peut pas être motivé. Tu sais, tous les oiseaux, c'est fécondation interne. Il y a des coups de fusil qui t'ont réveillé l'autre bord. C'est des vivipares qui gèrent comme ça. C'est trop petit. Il y a quasiment juste les poissons qui ont des exceptions. Tu mets des estiques de bleu, on est bien trop proches. Là, tu sais. Non, mais il pourrait installer des obstacles qui nous cachent en arrière. Mais non, pas nécessairement, ça peut être juste tirer. Non, il doit être Tapis, là. Ça peut être n'importe quoi, n'importe quoi, tu tombes sur ça. Ce qui déroule, là, c'est une place, ça fait pas de bruit de même, ça fait tout.